agriculteurs, comment font les industriels pour valoriser ton lait x 10? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur de machines à glace en France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh ben voilà, on est une entreprise en Auvergne et on fabrique la seule machine à glace à l'italienne Made in France. On fabrique aussi la seule machine à sucette glacée et on fabrique la première turbine à axe horizontal Made in France. Donc je suis aussi l'auteur du livre Le business de la glace, d'accord? Un livre complet, un guide. Si jamais tu es intéressé par le business, pour trouver des idées de concept, eh ben tout est là-dedans. Je détaille chaque concept, le prix que ça coûte à mettre en place et surtout combien ça peut rapporter. La glace industrielle. Donc aujourd'hui, c'est le sujet du jour, d'accord? Ce matin, je faisais un article et je détaille l'article dans les chiffres parce que moi, j'aime bien les chiffres. Hein, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Mais voilà. Donc, l'autre jour à métro, on voit de la glace industrielle, d'accord? Des glaces étaient marquées 2,5 litres de glace pour 6 euros. Ok, donc 2,5 litres pour 6 euros. Si tu prends l'emballage, c'est marqué que les 2,5 litres et dessous, il y a marqué 1,250 kg. 1,250 kg, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 litre de lait, si tu rajoutes le sucre, les arômes et les 2-3 petits pesticides, non, pas pesticides, je veux dire, améliorant. Ok, tu arrives à faire 2,5 litres de glace avec un seul litre de lait. Donc ton litre de lait, toi tu le vends à l'industrie qui te le rachète à 45 centimes le litre et eux ils le transforment avec un peu de sucre et du coup ils le font passer à 6 euros. Ça c'est la magie. Mais cette magie là, tu pourrais la faire. D'accord? Quand je dis x 10, en fin de compte, je me trompe pas parce que regarde, si tu enlèves, allez, on va dire qu'ils ont mis 1,50 euros de sucre, d'arôme, tout ça. D'accord? Parce que à 6 balles, c'est pas de la vraie vanille. D'accord? C'est pas des gousses de vanille. La gousse de vanille, ça vaut 6 euros déjà. D'accord? Donc tu vois, non. Ok, donc les arômes vanille, le sucre, si tu pars de principe qu'il faut environ 200 grammes de sucre et que le kilo de sucre il est à 1 euro, et je te parle de toi, comment tu la jettes, je te dis pas combien l'industriel qui achète ça par tonne, il le paye, d'accord? Donc 1 kilo, ça fait divisé par 5, ça fait 20 centimes de sucre. Ok, 1 litre de lait, 20 centimes de sucre, un petit peu de poudre. Et voilà, on arrive à une glace à 6 euros par rapport à 1 litre de lait. C'est comme ça qu'il faut calculer. Donc, si toi, tu veux déjà complètement changer la donne, eh ben, il y a une solution. Déjà, tu t'abonnes à cette chaîne parce que donc ici, on donne des conseils pour pouvoir bien valoriser son lait. L'investissement, c'est abordable, d'accord? Pour le prix d'une fabrique de yaourt, eh ben, tu peux aussi, toi aussi, transformer ton glace, d'accord? En fin de compte, tu as besoin de quoi comme matériel? En matériel, tu as besoin d'un pasteurisateur, d'une turbine à glace, d'un mixeur, d'accord, un homogénéisateur et du cellule de refroidissement et un congèle, d'accord, une armoire de stockage. Bon, le but quand on est agriculteur, par contre, bien sûr, c'est pas faire de la glace industrielle, d'accord. Donc, toi, tu veux faire un produit premium, tu veux faire une glace, d'accord. Et moi, je vois par rapport au retour de nos clients, environ le litre de glace se vend autour de 9 euros, 9, 10 euros, d'accord. Donc, tu vois, ça fait déjà la culbute x 20. On n'est plus à x 10, mais on est à x 20 le litre de lait. Bien entendu, je parle pas du détail parce que la vente au détail, là, on arrive à faire du x 100. Ok, donc le litre de lait, c'est 45 euros le litre de lait en glace à l'italienne, par exemple. Par contre, il y a un truc qu'il faut que tu saches aussi, c'est que il y a moyen de valoriser ce qui a déjà été valorisé. Ok, ça veut dire que vendre de la glace, c'est cool, mais si tu transformes ta glace en entremets glacé, en vacherin, en bûche glacée, et bien là, encore une fois, tu multiplies. Ok, alors n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne de maths. Et je veux te dire, voilà, en dessous, je vous ai mis un lien. Un lien qui va permettre d'aller voir en fonction de ce qui peut t'intéresser. Si jamais tu es vraiment intéressé par le projet, on va faire un webinaire. Un webinaire, c'est une conférence en ligne, du coup, où je parle et que vous allez pouvoir interagir avec moi en posant des questions. D'accord, c'est un live. Et je vous invite à vous inscrire dessous, d'accord? Donc déjà, si vous êtes agriculteur, en dessous, je vous mets le lien
qui va permettre de recevoir le guide les 5 raisons de valoriser son lait maintenant. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille.